clinique, on me demande c'est quoi la différence entre la poncture physiothérapique et l'acupuncture. La poncture physiothérapique reprend finalement une technique de poncture qui est utilisée en Chine depuis 3000 ans. Le physiothérapeute a recours à des aiguilles sèches, dry needling, c'est-à-dire des aiguilles qui n'injectent pas de produits dans le corps, pour renforcer l'efficacité de sa thérapie manuelle. Il n'utilise pas les points d'acupuncture. Il base son traitement sur ses connaissances en physiologie et en anatomie humaine pour agir sur les structures musculaires, ligamentaires et articulaires qui sont affectées. Cette technique est émergente au Québec alors qu'elle existe depuis longtemps dans l'Ouest canadien et en Ontario. Elle est offerte depuis 2011 au Québec en collaboration avec l'Ordre des acupuncteurs du Québec. Celles et ceux qui souhaitent la pratiquer doivent suivre une formation de 102 heures qui s'étend sur 9 mois. L'acupuncture est une branche de la médecine chinoise qui considère l'état de santé comme un équilibre dynamique entre chaque partie et organe du corps et entre les corps physiques, mental et émotionnel. L'acupuncteur prend en compte la personne dans sa globalité. Il évalue l'ensemble de ses systèmes respiratoires, digestifs, hormonaux, urinaires, ainsi que la qualité de sommeil, le niveau de stress, d'énergie, l'environnement et l'hygiène de vie de la personne. Il questionne donc le patient, observe son teint, sa constitution physique, sa langue, son pouls, afin d'effectuer un bilan énergétique personnalisé et comprendre donc les déséquilibres sous-jacents à sa condition. Il peut adresser toutes sortes de raisons de consultation, que ce soit la douleur, bien sûr, mais aussi les allergies, le stress, l'anxiété, la fatigue, les migraines ou les douleurs en lien avec les problèmes de menstruation, les problèmes digestifs. La formation en acupuncture au Québec existe depuis 30 ans et s'effectue uniquement au Cégep de Rosemont à Montréal. Elle comprend 3 années d'études à temps plein, soit 2640 heures de formation théorique et pratique, des cours de médecine occidentale et de médecine orientale, 480 heures de stage supervisé et un examen final qui permet d'accéder au permis d'exercice de l'Ordre des acupuncteurs.